Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Desson et Laurent Grose, deux volontaires en service civique au profit de l'UNICEF de l'Aisne. Messieurs, bonjour. Bonjour. J'ignorais qu'il existait une organisation UNICEF dans l'Aisne. Alors, il faut savoir qu'UNICEF France a des délégations dans chaque département. Ces délégations sont chargées de la récolte de fonds. Ces fonds sont ensuite reversés à l'UNICEF International, qui met en place des actions sur le terrain, comme la création de pompes pour l'accès à l'eau potable. Alors messieurs, je vous reçois aujourd'hui pour une prochaine manifestation, la Nuit de l'eau. Mais qu'est-ce donc ? La Nuit de l'eau, c'est un événement organisé depuis 2008 par la Fédération française de natation, en partenariat avec UNICEF France, dans un but de sensibilisation et de collecte de fonds. Alors vous me parlez de sensibilisation comme but, mais je crois qu'il y a aussi d'autres buts. C'est pour ça que l'UNICEF est partenaire de cette manifestation. Comme vient de le dire Laurent, le but est de collecter des fonds, mais aussi de sensibiliser le public sur le fait que dans le monde, l'accès à l'eau potable n'est pas garanti à tous. Pour compléter ce que vient de dire Guillaume, cette année, les fonds collectés permettront de financer un programme en Haïti pour l'accès à l'eau potable et la sensibilisation à l'hygiène, comme la création de toilettes pour filles, ainsi que l'évacuation des eaux usées, pour prévenir des maladies telles que le choléra. Et oui, il faut dire que le choléra existe encore en 2018. Messieurs, à quelle date aura lieu cette nuit de l'eau? Et quelles en sont les modalités pour assister à cette soirée? Alors, la soirée se déroulera au Dôme de l'An le 17 mars. Le prix d'entrée est de 2 euros. Cela vous permettra d'accéder à des démonstrations d'aquazumba, des démonstrations de natation synchronisée, un accès au match de waterpolo ainsi qu'au stand de restauration. A noter que pour accéder à la plongée et à l'aquabike, une participation supplémentaire de 2 euros vous sera demandée. Très bien, donc 2 euros l'entrée, somme modique pour profit donc de Haïti. Merci messieurs, on se donne rendez-vous le 17 mars à 19h30 au Dôme de l'An. Mais je crois savoir que cette nuit de l'eau aura lieu dans d'autres piscines dans l'Aisne. Oui, exactement. Hirson l'organise le 9 mars, Chauny le 10 mars ainsi que Beautort le 6 avril. Eh bien merci messieurs, à merci très bientôt. Au revoir. Au revoir.